Il est 9h et on se retrouve déjà pour le premier transport de la journée. Ça sera un petit bus. Voilà. Pendant une demi-heure, on vous retrouve pour la suite. La journée va être longue. Elle va être très longue. J'espère qu'elle va passer très vite. Oui, elle va être transporteuse. Voilà, c'est le cas de le dire. J'ai inventé un mot. Je vous ai montré quelques petites images des arbres parce que les couleurs sont splendides. Maintenant, un petit train local pendant 1h30 pour rejoindre Takasaki. Nous sommes à la gare de Takasaki après 1h30 de petit train dans la campagne. Alors là, en fait, on a 1h30 d'attente avant de prendre notre Shinkansen, enfin le premier d'une longue série. Pourquoi 1h30? Parce que si on ne faisait pas comme ça, si on ne partait pas avant, entre tous les trains qu'on a à prendre, il y en a un où on avait 2 minutes de battement. 2 minutes. On ne connaissait pas la gare. Enfin, on ne la connaît toujours pas parce qu'on n'a pas encore été. Donc on ne sait pas si le train aurait été juste en face, si les escalators, on aurait été dans des escalators, de l'ascenseur. Et si on le loupait, on restait coincé sur place. Donc on a vu très large et on s'est dit, 1h30 de pause, on en profite pour manger. Donc Mathieu s'est pris un curry, mais au gibier japonais. On s'est pris tous les deux un iced tea froid. Et moi, un sandwich jambon fromage. Me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, je ne sais pas. On en a eu pour 1990 yens, soit 13,30€ à peu près, dans la gare. Voilà, donc on va manger tranquillement. Et après, on enchaîne. Parce qu'aujourd'hui, on vous a pas dit, on a un bus à prendre. C'est fait. Le petit train local, c'est fait. Puis un train à grande vitesse qu'on va prendre, puis un autre train à grande vitesse, puis un autre train local, puis un train de ville. On a 2 sur 7. 2 sur 6. Ça va aller petit à petit, on va y arriver. Bon appétit. Bon appétit. Bon, rendez-vous. En fait, on n'avait pas fait attention. Ça, ce sont des petites portions, mais si on voulait en fait une plus grosse portion, il fallait rajouter 100 yens. Bon, on l'a pas vu et c'est vrai que les portions sont un peu petites. On a besoin de force pour tous ces transports. Donc en fait, on s'est repris une deuxième fournée. Maintenant, on a inversé nos plats. J'ai pris le curry au gibier de Matt. Et alors, on dirait pas du tout un curry. Dès qu'il m'a fait goûter, on dirait un colombo. Vous connaissez le plat, le colombo, avec du curry. Bah, c'est avec du curry en soin. Mais c'est un autre curry qu'ici. On dirait vraiment du colombo, je vous jure. Donc très très bon. Donc moi, j'ai pris son plat. Et lui, bah, en fait, il a pris exactement le même sandwich que moi. Au jambon bacon. Jambon fromage, jambon bacon, enfin bacon fromage. Et le fromage, il y avait deux fromages dedans. Il avait du goût, il était vraiment bon le sandwich. Je te jure, tu vas aimer, il était vraiment bon. Donc là, pour ces deux plats, il y en a pour, je regarde, 1410 yens, c'est-à-dire 9,44. En sachant qu'on est en pleine gare et tout, c'est très bon. C'est pas, enfin, le prix ne me choque pas. À Bruxelles, quand tu prends un sandwich, quand tu attends le train, tu vas payer ton sandwich. Comme ça. Petit comme ça, tu vas le payer facile 6-7€. Hein. Donc, sans sandwich, 430, 2,80. 2,80 le sandwich, j'avoue. allez, bon appétit. Bon appétit. C'est pas le nôtre, hein, mais vu qu'on a encore une demi-heure d'attente, on profite pour vous montrer les Shinkansen. Et à chaque fois qu'on veut vous les montrer, c'est toujours le même. Avec tous les différents qu'il y a, franchement. C'est chaud. Là, il fait super bon en fait. Oh, il fait ultra bon. Je pense qu'on a 22, 23. Hey, aujourd'hui ou demain, je crois, à Tokyo, 26 degrés. On est début novembre, 26 degrés. Bon, nous, ça va pas être les températures du nord. Mais ça, c'est une température qui peut penser à l'été chez nous. Ouais, vraiment. Attendons, on va vous montrer aussi quand il part. Ils sont beaux quand même, les Shinkansen. Et alors, en fait, on vient de voir un truc ultra impressionnant, non, hein. Mais juste là, du coup, j'ai pas filmé. Forcément, de toute façon, dès qu'il y a un truc à voir, je filme pas. C'était bien le nom du gouvernement. Ah, d'accord. En fait, là, juste dans le train qu'on vient de vous filmer, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 6 hommes, tous avec des oreillettes, qui se sont avancés, dont deux qui se sont mis devant une porte du Shinkansen. On dit,
Shikia. Et en fait, ils escortaient une femme qui rentrait dans le Shinkansen, mais eux non. Donc en fait, elle avait juste l'escorte pour arriver dans le Shinkansen. Alors, j'ai été étonnée parce que je pensais qu'elle allait dans la grande classe. Non, elle est quand même, elle est dans la green card. Ouais. Du coup, je sais pas si on a vu en GoPro ce que c'était la green class, la grande classe. Je sais pas ce que c'est. Si, j'ai vu, c'est des sièges qui sont plus rembourrés. D'accord. Beaucoup plus luxueux alors. C'est plus luxueux et d'accord. C'est des sièges par an que j'ai vu. D'accord. Donc, okay. Donc t'as très très peu de place quoi. T'as peut-être pas avec des gens. Mais nous, on a même pas accès. Je pense avec les, on peut même pas les acheter nous. Ah, je ne pense pas. En tout cas, j'ai demandé à au garde du corps. Oui, parce qu'à un moment, il nous regardait parce qu'on regardait et tout. Regardez, il s'est marré. Oui, il y avait un garde du corps assez imposant. Il voyait qu'on regardait et ça l'a fait marrer et il a fait. Et après, là, je suis. Bah oui, parce qu'on se disait, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Nous, en général, quand ça se passe, c'est parce que c'est des stars. Et c'est parce qu'en fait, comme c'était proche de elle, on a fait un pas en recul. On a reculé. Ça les a fait marrer. Mais j'ai demandé donc, à cette personne-là qui m'a souri. Qui c'était, enfin si c'était bien un membre du gouvernement, il m'a fait oui, political, donc c'est un politique. Ok, bon bah mais voilà. Je ne sais pas c'est qui, hein. Non, c'est une femme. C'est une femme. Mm. Elle avait un masque, donc je pourrais même pas aller voir sur Google et ces trucs comme ça. De toute façon, on connaît pas nous ici, mais bref, voilà. Oh, c'était chouette à voir. Bon voilà, du coup, là on vous dit pas des trucs très intéressants, mais nous ça nous occupe. Vu qu'on a 12 heures de transport, quand même, c'était marrant, cool à voir, ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais. En tout cas. La gare, regardez, il y a honnêtement, il y a personne dans la gare. Elle avait 6 membres de garde du corps à côté d'elle pour pas grand chose au final. Et je sais, on sait jamais. Je sais. Mais après, du coup, si on sait jamais, pourquoi la personne après dans le train avec elle? Parce que il a communiqué un truc à l'oreillette. Ça se trouve, il y a des. Il y a quelqu'un déjà à l'intérieur. Ça se trouve, il y en a déjà à l'intérieur. Waouh. Ok. Enfin voilà. Bon bah, écoutez. S'il y a un autre train qui arrive, on vous le montre. Donc elle en est 6 comme ça, qui se mettaient à des extrémités, qui triangulent c'est vrai. Je pense qu'il y en a à l'intérieur qui sont déjà prévus. Hein. C'est vrai, ils se sont mis un peu, ils se sont dispatchés un peu à quelques mètres les uns des autres. D'ailleurs, limite, et tu crois qu'on aurait approché, dégage, tu vois. Si on aurait approché, ils nous auraient dit, mais tu vois les touristes quand même, non? S'il vous plaît, avec les parapluies et tout. Avec un point avec le bagarre. Oui, mais hey, ça peut être des armes. Hein. T'imagines, tu sais, dans les films, bah oui, ça. Bah non, bon, tu ouvres pas la valise là, avec le bordel là, ils vont ouvrir la valise, il y a un gros Stitch qui va sortir là. En surprise. Bon, allez, notre train est dans un quart d'heure. On en a pour 25 minutes et on vous dit, on arrive à la gare de Omiya. Voilà. Donc là, je vous filme quand notre Shinkansen arrive. Et puis après, on vous filme quand même quand on montre dedans. Parce que s'ils sont très beaux là, le dernier qu'on a eu, un bleu, il était d'une beauté. Donc il faut que je filme direct quand on rentre. Parce qu'après, c'est gênant de me relever dans les allées et filmer les gens. Alors que quand on rentre, ça passe mieux, je trouve. Allez. Allez, petit train. On sait même pas par où il arrive, au fait. Si, d'ici. Bon, désolé, c'est toujours le même. On a encore un espoir pour celui d'après. Parce que c'est encore un Shinkansen. On attend pour notre quatrième train. C'est pas le nôtre. Hein. Mais au moins, comme ça, je vous montre d'autres couleurs. Normalement, il y en a un qui va arriver sur notre quai. Vous voyez marqué sur les côtés le numéro du train, sa destination. Donc vous savez si c'est le vôtre. Regardez. Là, c'est le Nasuno 259. Vous voyez, de 13h37. Bon, là c'est en japonais, mais vous attendez et puis ça a un autre en anglais. Vous voyez, Nazuno. Donc tout est noté après en anglais. On va aller vous le montrer quand. Ah là, si vous aimez pas les trains, c'est pas la vidéo que vous allez kiffer le plus. Hein. Mais l'avant et l'arrière, ils ont une forme tellement impressionnante, je trouve. Le prochain, c'est le nôtre. Ça va, ça s'enchaîne bien, hein? Ouais. Là, on a un quart d'heure, 20 minutes entre chaque, c'est très bien. Le nôtre qui arrive. Bon, est-ce que c'est indifférent ou pas?
je vois pas là, avec les reflets. Oui, génial. Il y en a encore un nouveau. Je vous reprends, on est dans notre chambre d'hôtel, mais en fait, on n'a rien entendu à mes explications dans le train, parce que forcément, on ne peut pas parler fort. Donc, je vais les redire là. En fait, on va passer dans le plus long tunnel sous la mer au monde. En fait, c'est pour relier l'île principale, du coup, Honshu, à l'île d'Hokkaido, qui est absolument tout au nord du Japon, là où on va. On va sur l'île d'Hokkaido. Ce pont a été décidé d'être construit en 1971, quand avant, il n'y avait pas de pont, c'était des ferries qui reliaient l'île principale à l'île d'Hokkaido. Et un jour, il y a un ferry qui a sombré, ça a fait plus de 1000 morts. Donc, ils ont décidé de faire un tunnel sous la mer. Donc, c'est le tunnel le plus grand du monde. En tout cas, à l'heure où je vous parle actuellement, en novembre 2023, il fait un peu plus de 50 km. La construction a pris 17 ans pour un coût de 538 milliards de yens. Pendant la construction, c'était des conditions géologiques assez difficiles, donc il y a eu 34 décès d'ouvriers pour la construction. Et l'ouverture de ce pont a eu lieu en 1988. Voilà, on se retrouve dans le train. On arrive bientôt. Trajet de la journée. Ça va bientôt faire 6h30 qu'on est dans les transports, enfin qu'on a quitté l'hôtel. Il nous reste encore 6h30. Ouais, passe vite, hein. Ouais. En fait, je sais pas si ça vous a dit, on va traverser le tunnel sous la mer le plus long du monde. Il fait combien de kilomètres? Quoi? 25. Il fait 25 km. Ah non, une cinquantaine. Non, je sais pas si vous m'entendez bien, mais voilà, le tunnel sous la mer le plus long du monde, on va le traverser, il fait une cinquantaine de kilomètres. Voilà. Non. Donc, après 4 heures de Shinkansen, on est arrivé à... Elle s'appelle comment cette gare? Shin
Hakodate. Shin Hakodate, effectivement. Du coup, on a bien passé le tunnel le plus long. En fait, on s'en est pas rendu compte parce que de toute façon, il faisait déjà nuit. Donc, non, pas du tout. On n'a rien vu. Si jamais, en fait, on n'entendait pas bien, je vais tout vous redire une fois qu'on sera dans la chambre d'hôtel parce que, comme je chuchotais vu qu'on était dans le Shinkansen, j'ai peut-être pas assez parlé fort. Donc, on va voir si on entend. Si... Quoi ? Ce qui est triste, c'est qu'on fait une vidéo, on était tout seul et tout le monde se met oui, autour mais, de nous. Oui, mais oui, voilà, limite, ça parle pas aussi fort que la madame dans le parle. Donc, c'est pas grave. Bref, allez. L'avant-dernier train, là, celui-là, c'est 3h30 de train. Et après, on en aura un mini de 5 minutes vraiment pour nous rapprocher en fait de l'hôtel. Sinon, c'est une demi-heure de marche. Non, ça va aller. Non, à 22h, bah, on a autre chose à faire. Surtout avec ça. Oui. Donc, on va se rapprocher. Mais on a fait le plus long. On a fait le plus long. Franchement, jusqu'à maintenant, ça va. Franchement, ça va. Non, mais attendez. Depuis ce matin, en tout, en fait, ça va nous faire 12 ou 13 heures de transport. Hein. C'est quand même énorme. Mais ça, c'est à cause de lui. Bon, ça va, franchement, ça me gêne pas. Non, mais c'est vrai, tu aimes les trains, sinon on aurait pris l'avion en une heure, c'était fait. Regardez dans cette gare, en fait, c'est ultra mignon. D'habitude, les wagons, c'est avec des numéros. Donc, nous, on est wagon numéro 1. Mais on trouvait pas, en fait, au sol la voiture 1, voiture 2, voiture 3. Mais en fait, ici, ce sont avec des petits cycles, avec des animaux. La petite biche, non, la petite biche. On allait dedans. Ouais. Mais c'est mignon, hein. Bref, je vais vous. C'est reparti. Je vous montre le train dès qu'il arrive. Mais non, elle refait pas tout. Hein. Quand le train arrive, je vous le montre. Allez, l'avant-dernier. Dis donc, c'était ça les trains pleins là? Allez, 3h30 et on arrive, je vous le dis tout de suite, à Sapporo. Du coup, Sapporo, c'est sur l'île d'Hokkaido. L'île d'Hokkaido, c'est tout au nord du Japon et on ne l'a jamais fait. C'est la première fois. Mathieu est parti, je ne sais pas où. Il s'est pris la... Tu t'es pris la porte. T'inquiète. On est bien là, par contre. On est plus confort dans celui-là, parce qu'il s'allonge plus. Ouais, je préfère le truc. Ah, tu préfères le truc de pied, moi je préfère ça. Regardez ça, c'est pour. Voilà. Tac. Allez, bonne nuit. On se retrouve à Sapporo. Dernier train. Plus que 5 minutes et on y est. Non, après 5 minutes de marche, on y est. Après un bus. Après un petit train. Après un Shinkansen, après un autre Shinkansen, après un autre grand train, et après un petit train. Après 13 heures, porte à porte, on est arrivé. C'est le temps de vol, Charles de Gaulle, Tokyo. Mais pour moi, honnêtement, c'est passé très vite, et je regrette pas. Franchement, j'ai bien aimé. Ah, mais moi, c'est passé ultra vite. Et le train, c'est la vie. Il faut pas se leurrer, c'est quand même très très confort en green car. C'est déjà très confort en temps normal dans les autres classes, bien qu'on ait jamais fait autant de temps dans les autres, mais c'est très confort. Mais alors là, tranquille. À part que cette fois, ils sont pas passés pour les petites serviettes. Ouais. Et au deuxième, au petit là, qui faisait 3 heures, ils sont pas passés pour si on voulait des boissons ou à manger. Mais le dernier, 3h30, c'était pas un Shinkansen. Hein. C'était un train à grande vitesse, mais pas un Shinkansen. Bref, nous sommes arrivés à Sapporo, du coup, qui est tout au nord. C'est sur l'île de Hokkaido, tout au nord du Japon, que nous n'avons jamais fait. C'est Mathieu qui voulait venir ici, qui voulait absolument faire. Je vais vous expliquer demain matin
un peu plus en détail Sapporo, parce que là j'ai pas envie, je vais juste faire le room tour. Il faut savoir que cet hôtel, c'est le Kintessa Hotel. On a pris la chambre via Booking, comme beaucoup, et de par notre statut, là il y avait un surclassement gratuit. Donc on est dans une chambre de 35 mètres carrés. Normalement celle-là on aurait dû la payer pour les 4 nuits à peu près 80€ en plus. Bref, de base on avait pris 4 nuits. J'ai changé les plans, vous verrez pourquoi après. On a eu 3 nuits. Normalement il n'y avait pas de remboursement possible. Ils nous ont quand même remboursé. À la place on a pris un autre hôtel dans une autre ville pour la dernière nuit. Et en fait ça revient du coup à 75€. 75 par euros nuit. La nuit. Voilà. Deux précisions. Pour précision, tu dis on a eu grâce à notre statut. Oui. C'est juste grâce au level Genius de Booking, le oui. programme de fidélité. Mais je l'ai dit. Oui, non, tu as dit grâce à notre statut. C'est pas non, j'ai dit on a réservé sur Booking et grâce à notre statut. Oui, oui, d'accord, mais le statut, on pourrait penser qu'on est sponsorisé par Booking ou autre. Ben non. Si, un statut de quelqu'un. Mais juste avant, bon bref, et du coup, deuxième chose. Bon, je suis fatigué, tu m'as dit. Deuxième chose. Je te dis, je voulais absolument venir à Sapporo. Oui. Et non, en fait, Après les 13 heures de train, il dit non. On vient à Sapporo, mais on ne fait pas exactement ce que moi je voulais. Ce que moi j'aurais voulu, honnêtement, c'était prendre une voiture et se balader dans l'île d'Hokkaido. Problème, ça prend un temps fou. Il aurait fallu prévoir facilement une semaine de voyage en plus. Bah, c'est-à-dire que quand tu veux déjà prévoir sur les 20 jours, 10 jours à Tokyo, c'est difficile alors après de prévoir, parce que du coup, on ne faisait rien d'autre. Ah oui, non. Ah ouais, ah ouais, faut choisir. En fait, le Japon, c'est trop allongé. C'est trop chose à faire. Non, mais tu vois, la Corée, pour ça, c'était très bien. On a pris une voiture, on a fait oui, toute la boucle. C'est alors, beaucoup plus petit. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Bref, allez, on fait le room tour. Donc, quand on arrive, je vous montrerai le hall et tout de l'hôtel plus tard. Hein. Quand on arrive, un grand hall. Donc, de quoi ranger ses chaussures, les parapluies. On n'est pas encore entré dans la chambre. Hein. Donc, on découvre en même temps que vous. Attendez, j'ai déjà allumé pour. Ça me plaît bien. Toi aussi. Je suis sûr qu'on va visiter. Voilà. Du coup, bon, toilette à la japonaise, on va pas vous le dire sans arrêt. Une douche. Bon, bah, c'est une douche. Une baignoire. Alors, la baignoire. Attendez que je parle de baignoire. Dans l'autre hôtel. Attends, on était où juste avant? Ah, bah, à Tokyo. La baignoire, elle était moins sabot que d'habitude. Elle faisait presque baignoire comme chez nous, hein? Toi aussi, quand t'as pris ton bain. Non, juste avant, on était à Kusatsu. Ah oui, à Kusatsu. Pas à Kusatsu, à Tokyo. Tokyo, la baignoire était très bien. Là, elle m'a l'air moins longue, mais quand même bien haute. Et c'est joli, là, le oui, coffrage qu'ils ont fait autour, l'habillement. Un peu comme chez nous. Vraiment. Européenne, ouais. Voire américaine. La salle de bain avec un grand miroir. Choubi, c'est écrit en français. Shampoing. Bon, pas conditionneur et body wash. Attends, je le mets déjà là. Regarde, la fleur organique. Première classe. Je connais même pas. Mais ça, c'est parce qu'ils t'ont détecté. Allez, pousse-toi. Je goûte, Isa m'a envoyé péter. Mais oui, il était là depuis tout à l'heure. Je dois refaire les prises, entre guillemets, parce que devant la caméra, il est... Après, son jean, il dépasse de 10 cm parce qu'il est trop court sur pattes. Il traîne, donc j'entends... Ah, c'est bon, allez, des cours sur pattes, allez, pousse-toi. Pousse-toi, on veut tous se poser. Alors, vous allez pas voir avant nous. Mais pas mal. Arrête, mais il me pousse. Regardez. Oui, on n'avait pas le choix, c'était deux lits. Mais je crois que tout l'hôtel, en fait, c'était que deux lits comme ça. Je crois, je vais pas dire de bêtises. Donc, miroir. Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Oui. Oh là là, petit espace canapé. Eh non, mais ce surclassement, génial. Ça, pour les valises. Ouais, tu sais nous allumer un peu plus, peut-être? Ou c'est le max? Je peux te mettre en haut. Oh, ouais, non, ça c'est vieux. Oh, c'est beau. Oh, c'est... Oh, génial, j'avais pas vu. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'on a une petite vue? Ouais, je pense. On est au 10e étage sur 11. Attendez, je vais... Hop. Ouais, bon. Enfin, une vue. C'est joli, hein, comme vue. Ouais. Mais je veux dire, c'est des bâtiments, quoi. Ouais, c'est pas qu'on a une vue sur le mont Fuji, sur... L'hôtel Tokyo, bah ouais, bah, il est peut-être plus cher. Ou alors on l'a regardé, on l'aimait pas, je sais pas. Non, on en a tellement regardé. Parce qu'il faut voir qu'il est plus cher. Non, pas du tout. Donc voilà, allez, nous là, eh ben, je pense qu'on va juste sortir, aller chercher à manger. Toi, je sais que t'as pas faim. Moi, encore une fois, psychologiquement, je ne peux pas faire sans manger. Donc on a vu plein de petites supérettes. On va y aller, mais je vais ramener. Je vais manger ici, quoi. Et en même temps, comme ça, je vous montre direct le hall, je vous emmène. Ah. Je vais pas montrer, mais bon, comme d'habitude, en fait, un petit frigo. Oula! Oh, ça, par contre, je trouve ça très abusé. Là, vous allez pas voir parce que j'ai pas mis l'éclairage à la GoPro. Mais tout ça, c'est un bloc de glace. Oh, par contre, c'est la première fois qu'on a ça.
Bah, il n'y a même pas besoin d'aller au truc à glaçons. Hein. Tu grattes là, t'as la glace. Est-ce qu'il y a un room? Attends. Vous voyez ce que je vois? Cherchez la carte du room service. Ah non, il n'y a pas le room service. Que ça se fait très rarement ici au 6h. Écoute, c'est possible, oui. C'est quoi ça? Je vais pas toucher. Bon bah voilà, écoutez. On ressort et on vous montre le hall en rentrant. Ah, la télé, j'ai pas dit. Par contre, il n'y a pas beaucoup de rangement pour les affaires. Non mais après, excuse-moi, là on va pas se poser. Tout ça, ça peut être du rangement pour les affaires. Tout ça, oui, tout oui, ça. Oui, oui. Et regarde là. Oui, là au-dessus, je sais. Tu peux mettre là, et excuse-moi, si on était des salles, tout le long là, tu peux mettre tes trucs. Enfin, je veux dire, en soi, il y a la place, quoi. Allez, on sort. Et voici le hall. Là, l'ascenseur, il donne sur le hall, c'est chouette. Voilà, donc vous avez juste la réception. Là, il y a un restaurant, la Trattoria. Donc, on va voir ce que ça donne, peut-être, demain. Et voilà, en fait, il n'y a rien d'autre à vous montrer pour le hall. C'est tout. Et Mathieu est ici. Et en fait, c'est génial. Ah, mais il y a un chemin en fait pour les super-aides. Juste en fait, vous avez un Lawson et... C'est quoi ça? C'est le coma. Ok, on va voir ce que c'est. On aurait dû prendre les parapluies. Petit retour de course pour tout vous dire. On vient de tout filmer. Là, ça faisait 5 ou 6 minutes. En fait, ça filmait pas. Je sais pas s'il y a eu un bug. Moi, je voyais que ça filmait. Je sais pas, mais bref, donc on fait très très vite. Il y a une bouteille d'eau de 2 litres et pour information, c'est 100 yens si ça vous intéresse. Donc pour nous, à notre taux, c'est 67 centimes. Mathieu s'est pris un sandwich, enfin un trio de sandwich, un à l'œuf, un avec jambon salade et un une salade de thon. Il s'est repris un Fanta, mais cette fois au citron. Citron et orange. Ouais, alors l'autre, il n'avait pas. Il n'était pas très bon, le citron au miel était bizarre. C'était pas terrible. Bah, ça se trouve, ça n'en fait. Hein. Par contre, le thé chaud, parce que oui, c'est chaud hein, quand vous l'achetez. Ouais, ça sort chaud. Soit des machines, soit même dans les supérettes, c'est chaud. Hein. Eh ben ça, il est très bon. Mais tu l'as goûté celui-là? Alors celui-là, non, mais c'est le là, c'est un Winter Limited. Hein. C'est thé, bah ouais, un thé. C'est une autre marque. Il s'est pris. Un pain perdu. Enfin, une pioche. Ça n'a rien d'un pain perdu, ouais. Ça ressemble en tout cas. Là, des petits crackers. Je sais pas à quoi c'est, mais ça avait l'air bon. On a choisi aussi ceci à deux. Ça a l'air bon. Très bon, en tout cas, on dirait que c'est au goût Wings, très caramélisé. Il s'est pris des jambons, donc on a déjà la traduction, parce que tout à l'heure on a perdu 2 minutes, maintenant on le sait. Du coup, c'est Coca, boisson énergisante, et soda. Moi, je croyais que c'était aux fruits. Je croyais que c'était de la pâte de fruits, tu sais, en fait. On dirait vraiment des trucs au fait protéinés. Hein. Mais c'est un sèche, ça trouve, c'est ça. Ensuite, des petits morceaux de poulet. Il y avait plusieurs sortes, j'ai pas compris ce que c'était. Bon, ça doit être du poulet, non? Bon, c'est pas grave. Oui, c'est du poulet, c'est sûr, c'est du poulet. Après, ça n'a aucune idée, mais je pense que c'est une escalope de porc. Et je sais pas s'il y a de l'œuf ou du fromage. Ouais, je sais pas trop. Et alors ça, pour tout vous dire, j'ai vu beaucoup de youtubeurs et d'instagrammeurs japonais ou français en parler, dont Lubisan, c'est un des plus connus, hein, c'est pour ça que je le cite. Parce que moi ça doit vous parler, ça se trouve, ça vous dit quelque chose, ce sachet. En fait... apparemment, ça, c'est un assaisonnement qu'on met sur le riz des enfants. Et c'est très, très bon. Et ça rappelle l'enfance. Et apparemment, c'est vraiment délicieux. Donc, en fait, j'en ai acheté un petit sachet. C'est 118 yens, donc moins d'un euro. Mais j'ai pas acheté de riz. Donc, en fait, je sais pas si je me l'emmène dans un resto ou si j'achète un pot de riz chaud pour m'en mettre pour goûter. Parce que si on aime, on en ramène en France. Ou si je l'ouvre comme ça et je teste, mais alors sans riz. Mais ça serait peut-être différent. Mais je me dis, ça peut être une très très bonne idée, il faut absolument goûter, parce que vous voyez, ça prend pas de place à ramener. Et si c'est vraiment bon, ça peut être très très chouette de s'en mettre chez nous après sur le riz en souvenir. Bien sûr. Donc voilà. Pour toutes ces courses, ouais, vous voyez, l'autre vidéo, elle faisait 6 minutes là. Là, ça m'a gonflé. On en est à 3 minutes, ça sera très bien. Donc pour toutes ces courses, on en a eu pour 2503 yens, ce qui fait 16,77 €. Voilà. Et on va vous le laisser là directement. Nous, on mange, douche et dodo. C'est ça. Autre chose? Non, non, on mange et dodo. Voilà. Donc bah, on espère que cette journée vous aura plu, même si en fait il n'y a pas grand chose. Au moment où vous voyez que de Kusatsu de Tokyo, vous pouvez rejoindre Sapporo avec pas mal de transports. Hein, mais ça va, franchement, ça a été. Je m'attendais à pire. En fait, je préfère quand même les 13 heures de train que les 13 heures d'avion. Clairement. Moi aussi. En plus, vous pouvez quand même bien s'allonger. Allez, et ben, on vous dit à demain. Et dès que je vous prends demain, promis, je vous parle de Sapporo. Là,
Non, j'ai pas envie. Allez, et ben, bon appétit à nous. Et on vous dit à demain. Bisous. À demain.